Voici les 5 classes alimentaires que tout homme de plus de 40 ans doit intégrer en urgence dans son alimentation. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Alors, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? S'il vous plaît, mettez les drapeaux en commentaire. Nous sommes animés par une logique de bâtir une communauté, d'accord, de personnes qui sont intéressées par l'alimentation, spécialement l'alimentation tropicale. Alors, ce matin, je me propose de revenir sur un élément essentiel qui est la transition alimentaire qui est importante et je dirais même urgente pour tout homme à plus de l'âge de 40 ans. Parce que comme vous le savez, de la même manière que les femmes, à partir de la quarantaine, vont subir ce qu'on va appeler la ménopause, les hommes également vont subir ce qu'on appelle l'andropause, qui peut être assimilée à la ménopause masculine, mais qui ne l'est pas en réalité, parce que dans le cadre de la ménopause, on a l'arrêt de la fertilité. Mais chez les hommes, malgré les changements, ils vont continuer à être fertiles, si je peux dire ça ainsi. Mais il est important que vous compreniez que tout homme à plus de 40 ans doit absolument changer d'alimentation à partir de l'âge de 40 ans. Et donc, vous allez découvrir dans la vidéo les 5 classes alimentaires qui doivent faire l'objet d'une insistance particulière, d'une consommation plus régulière et pour les raisons qui seront bien entendu présentées dans la vidéo. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que ce qui va provoquer le changement chez un homme à partir de la quarantaine, c'est un élément simple, c'est qu'on va observer une diminution de la production d'une hormone qui fait qu'un homme est un homme, à savoir la testostérone. Ça veut dire qu'un homme qui sécrète moins de testostérone devient moins viril. Un homme qui sécrète moins de testostérone a moins souvent des érections. Et donc, à partir de la quarantaine, une bonne majorité d'hommes vont faire l'expérience d'une diminution de la production de la testostérone avec pour effet secondaire, d'accord, une diminution, d'accord, des caractères sexuels masculins, entre autres la gynécomastie, c'est-à-dire que le développement plus prononcé des pectoraux qui laisse souvent penser que l'homme a des seins, parmi lesquels la diminution de la qualité et de la fréquence de la libido, dont les hommes vont avoir un peu plus de mal, d'accord, à avoir des érections ou plus souvent victimes d'éjaculation précoce. Donc voilà le premier élément fondamental qui justifie, d'accord, la modification hormonale chez les hommes avec donc les effets secondaires qui sont multiples, dont je vous ai juste cité quelques-uns. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour minimiser l'impact, pour minimiser les effets secondaires liés au changement hormonal, il est important que tout homme fasse l'effort d'améliorer son alimentation parce que la diminution de la testostérone va aussi entraîner une diminution du squelette, d'accord, une fragilisation du système cardiovasculaire. Et donc, les aliments que je m'en vais vous présenter vont donc pouvoir aider à contrebalancer les effets de la nature, à contrebalancer les effets de l'âge. La première classe alimentaire que tout homme de plus de 40 ans doit intégrer dans son alimentation, fidèle téléspectateur, puisque c'est de vous qu'il est question, c'est que vous devez apprendre à insister, à implémenter votre alimentation en calcium. Et pourquoi le calcium? Parce que dans la courbe qui apparaît à l'écran, vous allez vous rendre compte que de 0 jusqu'à 30 ans, d'accord, la courbe de croissance, elle est linéaire et elle va dans le sens ascendant, d'accord? Entre 30 et 40 ans, d'accord, on va observer une forme de plateau et la courbe à laquelle je fais allusion présente l'évolution de la masse osseuse avec l'âge. Donc, vous voyez qu'entre 0 et 30 ans, votre masse osseuse grandit, s'alourdit et se densifie. Entre 30 et 40 ans, elle est plus stable, mais à partir de la quarantaine, qu'est-ce qu'on observe? On observe une diminution de la courbe qui matérialise la fragilisation du système osseux, la fragilisation du squelette de manière générale. Donc, un homme à plus de 40 ans va plus souvent ressentir les crampes, plus souvent ressentir les os qui craquent, plus souvent ressentir des douleurs articulaires qui traduisent simplement les effets de la diminution de la testostérone, les effets de l'andropause, si je dois le dire ainsi. Et pour cela, messieurs, le calcium doit faire partie des classes alimentaires dans lesquelles vous devez capitaliser la consommation. Je sais que la question qui vous vient à l'esprit, mais où allons-nous trouver le calcium? Un peu de patience, c'est de ça
un peu de patience. Voilà donc que je m'apprête à vous présenter les aliments riches en calcium. Alors, dans notre communauté africaine, je vais surtout insister sur les aliments faciles à trouver. Je vous recommande ardemment la consommation du baobab. Donc le baobab en poudre, le jus de baobab. Pourquoi ? Parce que le baobab va contenir 10 fois plus de calcium que le lait classique ordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que la consommation d'un verre de jus de baobab vous apporte 10 fois plus de calcium qu'un verre de lait classique, qu'il soit écrémé ou demi-écrémé. Donc, le jus de baobab comme étant une source préférentielle d'apport en calcium. Alors, il y a aussi pour les personnes qui ont le budget, d'accord, qui ont la capacité financière, il y a les eaux minérales calciques. Et je vais les citer sans publicité. Vous avez les eaux minérales EPA, les eaux minérales Courmayeur et les eaux minérales Contrex. Donc, elles sont très denses en calcium. Donc, si vous pouvez vous les offrir, une bouteille vous permet déjà de couvrir la moitié de vos besoins quotidiens en calcium. Et pour votre gouverne, un homme a besoin d'environ 800 à 1000 mg de calcium tous les jours. Donc, presque autant qu'une femme enceinte, presque autant qu'une femme qui allait. Juste pour vous démontrer à quel point est-ce que cette classe alimentaire est importante pour vous à partir de l'âge de la quarantaine. Donc, la consommation du jus de baobab, la consommation des eaux minérales calciques, la consommation également du persil, qui est une plante qui est hautement dosée en calcium. Donc, n'hésitez pas à maximiser la consommation du jus de persil si vous pouvez supporter, ou alors de le découper et de le rajouter dans vos salades de fruits, dans vos salades de crudités. Et voilà que à partir d'une plante qui est à la portée de tout le monde, vous pourrez capitaliser vos apports en calcium. On va aussi le trouver dans le haricot blanc, on va le trouver dans nombre d'aliments, mais en tout cas, voilà ce qui m'est venu à l'esprit pour notre communauté africaine, pour que vous compreniez que pas forcément besoin de manger du fromage ou des produits très chers ou du yaourt pour avoir son quota de calcium quotidien. Donc, s'il vous plaît, messieurs, prenez bien note qu'à partir de l'âge de la quarantaine, vous avez l'obligation morale, d'accord, de maximiser vos apports en calcium au quotidien, à travers les aliments que je vous ai présentés ou alors à travers les autres classes alimentaires, parce qu'ils vont donc avoir pour vocation de renforcer votre squelette et de vous, voilà, et de prévenir la fragilisation de votre squelette osseux, comme vous le savez, vous rend plus sensible aux fractures et rend également la cicatrisation difficile. Alors, avant qu'on continue, j'ai une question à vous poser. Alors, messieurs, pour vous qui avez franchi l'âge de la quarantaine ou pour vous qui êtes entouré d'hommes de 40 ans, quel est le problème majeur? Quel est le problème de santé majeur auquel font face les hommes qui ont plus de 40 ans dans votre communauté, dans votre pays ou dans votre famille? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo parce que notre vocation, comme je vous l'ai dit, est d'apporter de la valeur, du contenu de qualité à notre communauté africaine dans le cadre de l'alimentation. D'accord, les amis? Donc, quel est le problème majeur que vous traversez alors que les hommes de plus de 40 ans dans votre communauté traverse, s'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Je vous remercie. La seconde classe alimentaire, elle va consister à maximiser les apports en vitamine D. D'accord? Je reprends, maximiser les apports en vitamine D. Alors, pourquoi? Parce qu'elle conditionne un peu la précédente, d'accord? Elle conditionne un peu le calcium. Je m'explique. Alors, il peut arriver que, messieurs, vous mangez assez d'aliments riches en calcium. Il peut arriver que vous mangez le quota de calcium qu'il faut, mais qu'à la fin, d'accord, mais qu'à la fin, votre squelette demeure fragile, vos dents demeurent toujours fragiles pour la simple raison que la fixation du calcium alimentaire n'a pas été effective au niveau de votre squelette ou alors au niveau de vos dents. Donc, pour pouvoir donc pallier à cela, il est important que vous maximisez également les apports en vitamine D, d'accord? Parce que la vitamine D va donc aider à fixer le calcium alimentaire au niveau des os. C'est fondamental et les deux classes alimentaires vont toujours ensemble. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de capitaliser vos apports quotidiens en vitamine D. Et les aliments dans lesquels vous allez trouver la vitamine D, vous avez la sardine, vous avez les œufs particulièrement, le jaune d'œuf, vous avez aussi le thon, d'accord, mais également un élément qui est à la portée de tout le monde, c'est que une simple exposition au soleil vous permettra, messieurs, de capitaliser vos apports quotidiens en vitamine D. Donc, je m'explique. Alors, il est question ici pour vous de vous exposer légèrement au soleil. Attention, le soleil qui survient avant 11 heures parce que les rayons ultraviolets sont moins violents pour la peau. Parce que après
11 heures, c'est un soleil plus rude et ce n'est pas intéressant pour la peau. Donc, tous les jours, il vous suffit simplement de rester exposé au soleil 15-20 minutes par là, le soleil avant 11 heures. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'en dessous de la peau, nous avons ce qu'on appelle la provitamine D. Et la provitamine D au rayon, au contact des rayons solaires va donc stimuler la fabrication naturelle de la vitamine D. Donc, pas besoin d'avoir d'argent pour pouvoir pallier à ses besoins quotidiens en vitamine D. Donc, une simple exposition au soleil vous aidera à pallier à vos besoins en vitamine D. Donc, voilà donc, d'accord, la deuxième classe alimentaire que vous devez intégrer absolument dans votre régime alimentaire pour pouvoir pallier à vos besoins quotidiens. Et j'insiste encore, la vocation de cette deux classes alimentaires est de renforcer le squelette osseux, voilà, qui est problématique chez beaucoup d'hommes qui vont faire l'expérience des fractures, qui vont faire l'expérience des rhumatismes, mal de genoux, mal de dos, ou alors les os qui craquent, d'accord? La troisième classe alimentaire ici, elle va consister pour vous à maximiser vos apports en vitamines de complexe B. Je reprends, maximiser vos apports en vitamines de complexe B. Pourquoi les vitamines de complexe B? Alors, quand je dis complexe B, c'est vitamine B1, B2, jusqu'à B12, d'accord? Et il y a une raison fondamentale à cela. Alors, vous devez comprendre qu'avec l'âge également, beaucoup d'hommes vont faire l'expérience de ce qu'on va appeler le déclin cognitif. Déclin cognitif et un cerveau ou alors une mémoire qui ne fonctionne plus de manière optimale. Donc, pour pouvoir donc pallier à cela, pour prévenir le trouble de l'humeur, parce qu'il y a des hommes qui deviennent un peu plus nerveux, il est important que vous puissiez stabiliser votre humeur, d'accord, améliorer ou optimiser le fonctionnement de votre système nerveux en maximisant les apports en vitamine B. Et vous allez vous rendre compte qu'en général, beaucoup de personnes qui souffrent du mal de nerfs se voient être prescrits la vitamine B à l'hôpital. Ce n'est pas fait du hasard parce que cela améliore le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de la mémoire. Donc, messieurs, une classe alimentaire sur laquelle vous devez capitaliser les efforts, c'est bien les vitamines de complexe B. Et vous allez les trouver dans le riz complet, dans les pâtes complètes, dans les macaronis complètes, d'accord? Dans les spaghettis complets, en tout cas, tout ce qui va être graines entières, d'accord? Donc même si vous mangez le couscous, il faut que ce soit le couscous qui n'a pas été dépulpé, un couscous qui est un peu sale, un couscous qui a un peu de fibres à l'intérieur parce que c'est dans ces fibres-là que l'on retrouve la vitamine de complexe B. Et vous allez également trouver cela dans les champignons, d'accord? Dans le foie de bœuf, dans les abats, parce que les abats, beaucoup de personnes n'aiment pas beaucoup les manger, mais vous devez savoir que les abats, le foie, le rognon, contiennent également un quota important en vitamine de complexe B. Donc, il est important pour vous de capitaliser les apports en vitamine de complexe B à travers les classes alimentaires que je venais de citer parce qu'elles vont permettre l'amélioration de votre système nerveux. Elles vont vous éviter le déclin cognitif. Elles vont également prévenir le trouble de la mémoire. Et beaucoup d'hommes à plus de 40 ans dans notre contexte ont besoin de travailler et ne sont pas encore à la retraite. Donc, s'il vous plaît, maximisez les apports en vitamine D complexe B. Et donc, avant qu'on continue, je voudrais vous poser une seconde question. Alors, messieurs, quel est l'objectif que vous visez actuellement concernant votre alimentation? Quelle est la grande difficulté que vous rencontrez dans votre alimentation actuellement? Mettez la réponse en commentaire ou alors écrivez-nous un message privé via email nutritiontv1@yahoo.com. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue et c'est la raison pour laquelle je vais vous fixer rendez-vous la prochaine fois pour la seconde partie de la vidéo. Mais en attendant, laissez vos différentes impressions en commentaire. Messieurs, est-ce que vous consommez ces aliments qui ont été énoncés dans la vidéo? Ou alors, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Nous sommes à votre service. Mettez les différentes réponses en commentaire. Quant à moi, je ne saurais clôturer sans vous informer qu'on a mis sur pied un ouvrage intitulé « Performance sexuelle au top », un ouvrage qui ne parle pas que de sexualité, mais qui aborde également, dans la deuxième partie de l'ouvrage, les classes alimentaires qu'un homme doit intégrer, les changements alimentaires, les examens à faire au-delà de 40 ans pour prévenir les maladies quelquefois irréversibles une fois qu'on a franchi le cap de la quarantaine. Vous trouverez l'ouvrage sur Amazon à la FNAC et chez les représentants. Il apparaît d'ailleurs à l'écran. Performance sexuelle au top, messieurs l'alimentation, qu'il vous faut un ouvrage de 400 pages illustré en couleur. On a également développé le kit détox pour purifier votre organisme, pour laver vos reins, entre guillemets. Et vous savez à quoi je fais référence dans notre contexte africain. On a aussi le kit libido pour les hommes qui font face à des soucis de libido au-delà de 40 ans. Donc, si vous souffrez du manque d'érection, érection molle, éjaculation précoce, mauvaise qualité ou quantité de sperme, vous êtes à la bonne adresse, contactez-nous directement à travers le numéro qui apparaît à l'écran. Et nous vous indiquerons nos différents points de vente ou alors on prendra le temps de vous écouter avant de vous recommander ce qui est nécessaire pour vous. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous encourage à vous abonner sur la page et à partager cette vidéo à tous les hommes de plus de 40 ans, d'accord, qui ont besoin de changer radicalement d'alimentation. En vous fixant rendez-vous la prochaine fois
Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.